Du bois, donc ah tiens, j'ai du silex, ça tombe bien, donc je vais vous apprendre à faire le briquet silex et iron en diagonale, obligatoirement en diagonale. Okay. J'ai trois stacks de redstone. Je remonte ça. Mince, je me trompe de touche. Voilà. Hop. La cobble, oh je laisse la cobble ici. J'en ferai fondre à l'occasion peut-être pour faire un bâtiment en stone. C'est assez joli, même si bon les creepers l'explosent. De toute façon, la seule ressource qu'on n'explose pas les creepers, c'est l'obsidian. Il me semble, hein. Parce que même les blocs de diamant, je veux dire le bloc entier de diamant. Les creepers arrivent apparemment à exploser. Ah non, c'est les blocs d'iron qui arrivent à exploser quand même. Le diamant, je ne sais pas si le bloc de diamant peut être explosé. Il me manque les chaussures en. Je me fais les chaussures, je peux bien tenir une pioche. Bon, allez, hop, déjà la pioche que j'ai là, hop, je la laisse ici. Temporairement, je la finirai plus tard, celle-là aussi. La redstone, je vais la remonter. Ouais, bah non, en fait, je garde ça, je vais la laisser là-haut. Ça, je m'embarque. Ici, j'ai un cuir, et ici, j'ai deux verrons en cours. Je vais quand même compléter mon armure. C'est parfait. Tac, 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 et hop. Donc voilà, donc même si j'ai une chance parmi eux avec le diamant, je fais pratiquement jamais mon équipement en diamant. Donc je la fais déjà, comme ça je serai tranquille. Pour faire de l'obsidien. Voilà, la génératrice à obsidian dans ce monde-là, je ne sais pas si je vais la faire. Ça me serait pratique quand même. Oh, je vais faire qu'une porte du nether, de toute façon. Ça m'étonnerait que j'en fasse plusieurs. Donc je sais pas quand aura lieu l'épisode sur le Nether. Enfin, je sais pas encore. Peut-être que je vais laisser mon équipement avant. Bon, toc, toc. Donc voilà, après je vais me débarrasser de tout. Je serai tranquille. Diamant surtout, surtout diamant. Hop. Voilà, je vais garder quand même la viande. Mes chiens, parce que j'ai embarqué un chien, un seul devrait suffire. Torche, on sait jamais. En fait, je m'apprête à sortir, mais je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit peu d'exploration, mais l'exploration, je sais pas, on le connaît. Si, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un crafting avec ça et ça. Un crafting qui me sera fort utile. Vous devinez. Ah oui, alors, hop, tiens, tant que j'en profite. Donc voici la cisaille. C'est simplement deux iron en diagonale. Donc vous pouvez le faire également dans votre crafting personnage. Ceci est la cisaille. Je la fais pas. Allez, je vous fais une démonstration. Donc, il me faut des irons supplémentaires. Voilà, et donc le second crafting que. Le crafting que je voulais faire, c'était la boosterelle. Comme ceci. Donc apparemment, mon point de. Donc la boussole indique le point de spawn qui apparemment est par là. Donc s'il est derrière ces montagnes, ça veut dire que ma baraque est loin.
étant donné que j'ai paumé mon point de spawn dès le départ. Bon, donc est-ce que j'ai du bois sur moi? J'ai pas de bois sur moi, ça fait rien, je vais en récupérer. Oh, en passant. Pourquoi j'ai ma pioche en diamant sur moi? Excusez-moi, c'est vrai que je pars en exploration un petit peu là et que je pars un petit peu à l'improviste. Ouais, pas en fin de vie. Voilà, donc ça, je mets ici le briquet. Si je vois des cochons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là qui pourrait m'être utile? Rien, qu'est-ce que je peux essayer? Voilà, hop, tiens, avec ce cadeau. Ça. Ouais, on sait jamais si je suis obligé de me mettre à la Bretagne pour partir là. Allez, viens là toi. Vu que t'es blessé, de toute façon je vais te finir. Je sais, c'est méchant. Donc on va essayer déjà de monter assez haut. Et sur ma maison. Pas sur ma maison, sur ma grotte, parce que je n'ai pas vraiment cette maison proprement dit. Voilà. Spawn serait par là. Je vais me diriger vers mon point de spawn. Si je croise des cochons, je les buterai. Si je croise des moutons, je les tondrai. En attendant, je vais vous montrer autre chose déjà. Donc la cisaille. Si vous brisez avec, voilà, vous récupérez donc voilà, des feuillages. Et la cisaille a été évidemment également une durée de vie. Voilà. Ça dépend de la cisaille. Donc ceci peut permettre de faire une simple clé. Ou alors même, je conseille de s'en servir sur le serveur, c'est sûr. C'est pour des échafaudages temporaires, étant donné que vous voyez, sans en absence de bois, les feuillages disparaissent. Voilà, je vais me diriger un peu. Je vais trouver par là. Hein? Et bah, apparemment, c'est ici. Mon point de spawn est ici. Étant donné que si je suis la boussole exactement, que je sois ici. Voilà, elle vient de faire demi-tour. Donc, ça va être juste ici. Juste ici là, les quatre cases là. Ici. Donc ce que je vais faire, c'est me bâtir une petite maison ici. Alors, je garde la boussole sur moi, de toute façon, je vais vous pousser. Donc je vais me faire chauffer de la cobblestone pour faire de la stone, et je vais me faire un petit abri ici, histoire d'être à l'abri. Alors, histoire surtout de me faire en fait une réserve pour éviter de tout perdre si jamais je meurs. Voilà, donc utiliser la boussole. Donc je ne croise pas de mobs, une popoule, deux popoules, un cochon. Appelez, viens. Attends, je vais te cramer. Je vais te cramer ta tête. Voilà. Viens pas là. Viens pas là. Il m'a rien looté. L'enfoiré. Donc pareil, hein, si vous voulez cramer des arbres, le briquet est très efficace. Donc évidemment, hein, par contre, hein, la règle du loot s'applique toujours pour les cochons. Donc les cochons, 80% de chance d'avoir une côtelette. J'ai beau avoir un chien, j'ai beau être en iron, je n'ai pas confiance. Ça, je vais sortir. C'est une petite chance d'exploration. Si on pouvait trouver une grotte naturelle, ça serait peut-être intéressant. Hein, n'est-ce pas? Ça serait intéressant. Une grotte naturelle.
moi je dis ça. Voilà, par exemple là-bas. On a une super grande naturelle. Voilà. Donc moi là-bas j'étais à la recherche de moutons. En plus j'ai horreur de la neige. Tiens, bah, quand on parle des moutons, on en a. Donc voilà la cisaille. Donc maintenant donc, je vais illustrer mes propos. Hein, si on tape le mouton, on ne récupère plus rien. Voilà, donc là je l'ai tapé. C'est pas récupéré. Et il faut faire un clic droit avec la cisaille pour récupérer sa lame. Donc voilà. Je l'ai tapé, tu le tues pas toi. Hein, voilà. Parce que simplement je ne m'avais pas vu le tuer. Et si vous le tuez, enfin si vous le tuez avec de la laine dessus, il vous rapporte plus que une seule unité de laine. J'ignore le pourcentage de réussite de loot dans ce cas-là. Bon, je l'ai tué, mais évidemment, vous pouvez le laisser. Vous pouvez faire un élevage de moutons aussi, ça vous amuse. Quoi, toi, je vais te demander d'être attentif. Là. Très attentif. Là. Parce que là, on va... Il y a de la lumière là-bas. Il y a de la lumière aussi là-bas. Ça sent la lave, ça. Bon. Araignée. J'ai entendu l'araignée. Et j'ai entendu du squelette aussi. J'augmente un peu mon son. Vous allez voir que j'ai pas confiance. Pourtant, je ne considère pas mes aptitudes à l'attaque comme étant naze. Allez, lève-toi. D'accord. D'accord, ok. Alors, vous vous souvenez, et je vous avais dit qu'il y avait plein de monstres à un endroit, apparemment, c'est ici. Il y a beaucoup d'araignées, beaucoup trop d'araignées. Je m'en doutais. Cobbles, ça c'est de la moustonne, ce qui signifie que là-haut c'est un donjon. On a un donjon. Est-ce que je suis équipé pour l'affronter? Donc les règles des... Ça, c'était pas nécessaire, tu vois mon pote, de le pousser. Alors, est-ce que je suis préparé à faire un... affronter un donjon? Je ne pense pas. Je vais voir s'il est ouvert déjà. Si il est ouvert, je me garde. S'il est fermé, je me prépare mon piège. Je me prépare mon piège. Ça m'étonnerait. Bah, ça sert à voir hein, s'il est fermé ou pas. Oh, il a l'air d'être fermé étant donné que les mobs